Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors, je fais cet enseignement qui s'appelle. Alors, je souris un petit peu parce que cet enseignement est un petit peu délicat parce que on entend beaucoup dans les chrétiens, on entend beaucoup dans la bouche des chrétiens, il ne faut pas juger. Attention de ne pas juger, attention, tu condamnes, attention à ne pas condamner comme tu le fais, c'est mal et ceci et cela. Alors moi, j'avais noté que je devais faire un enseignement, juge de tout ou juge de rien. Alors, ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est suite à une publication où j'avais mis une photo d'un pasteur qui faisait un signe que j'ai dit, que j'ai montré que ce signe était un signe de la franc-maçonnerie. Alors, j'ai pas mis cette vidéo pour faire le buzz, mais j'estime que cette année, on ne sait jamais, c'est peut-être la dernière année que nous allons vivre, 2021, on n'en sait rien, mais il est important. Bonjour Esther, il est important que on vive comme si c'était notre dernière heure et qu'on dise la vérité comme si c'était le dernier moment pour pouvoir dire la vérité. Or moi ce que je sais aujourd'hui c'est que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les Vatican, que ce soit chez les protestants, que ce soit chez les évangéliques, les francs-maçons ont infiltré tous les endroits. Moi, ce que je dis, c'est que par exemple, si je dois faire une photo, que je vais poser sur une photo, je vais jamais faire certains signes avec mes mains. Parce que connaissant que l'ennemi de mon âme avait des sectes secrètes et diaboliques font certains signes de main, moi, dans cette conscience-là, je ne vais pas faire ces signes. Mais quels sont les signes, par exemple, que font certains francs-maçons sur des photos? On voit beaucoup de gens de la politique qui font des signes comme cela. Vous avez vu Donald Trump, vous avez vu la chancelière de l'Allemagne, et vous avez vu ce pasteur surpris sur non pas seulement une photo, mais sur plusieurs photos, en train de faire des signes franc-maçonniques. Moi, comme je disais, quand j'expose, c'est pour que chacun amène à examiner les choses et amène à être conscient de certaines choses. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus nuisible que la naïveté. La naïveté, c'est souvent le manque de connaissances ou une paresse intellectuelle. La naïveté, c'est souvent une paresse intellectuelle. Et comme dit la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances parce que il finit par prendre pour vérité ce qui est du mensonge et il finit par s'appuyer sur des menteurs ou sur des francs-maçons aussi. Alors quand j'avais fait cette publication, ah, il y a Karine qui dit je suis athée. Mais écoute, Karine, ben moi je l'étais pendant longtemps, athée aussi, je sais très bien ce que c'est. Et voilà. Mais justement, je suis là aussi sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Je suis là justement pour aider les gens à se réconcilier avec Dieu et pour qu'ils n'aient pas peur. Du nom de Dieu ou du nom de Jésus quand ils l'entendent, qu'ils n'aient pas peur parce que toutes choses ne sont pas des sectes. Il y a beaucoup de sectes, mais moi autrefois j'avais une peur terrible des sectes, mais il faut savoir que quand on entend le nom de Dieu ou le nom de Jésus-Christ, c'est pas forcément des sectes. Et moi je peux te dire, Karine, que j'aime Dieu, que j'aime Jésus. Je ne suis pas dans une secte, d'ailleurs, malheureusement, je vais actuellement dans aucune église locale, mais j'ai l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de la parole de Dieu, la Bible, parce que dès lors que j'ai fait ma prière à Dieu,
que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je me suis devenu complètement différent, j'ai été complètement transformé et je me suis mis à aimer Dieu et à changer ma vie, quoi. Ça a été vraiment une transformation. Donc c'est pas Karine me dit il n'y a pas de Dieu. Bon, ça c'est ton voilà, c'est ta liberté. Il n'y a pas de Dieu. Mais s'il n'y avait pas de Dieu, toi non plus tu serais pas là, parce que Dieu te donne l'esprit et le souffle de vie. Tu vois, si tu n'avais pas reçu le souffle de vie et si tu n'avais pas reçu l'esprit en toi, eh bien, aujourd'hui, tu n'existerais pas non plus. Donc, s'il n'y avait pas de Dieu, ben, on ne serait pas là non plus, hein. Donc, voilà. Alors, moi, aujourd'hui, je suis d'aucune confession, en fait. Avant, au tout début, j'étais catholique, mais parce que j'ai pas eu le choix, hein. On m'a baptisé quand j'étais bébé, donc j'étais catholique. Bon, ceci dit, c'était pas non plus catastrophique, hein. J'allais à l'église parce que mes parents le voulaient. Tous les dimanches matin, j'allais à l'église. Et puis, bon, voilà. Bon, j'y allais parce qu'il fallait y aller. Mais j'aimais bien quand on me parlait de Jésus quand j'étais petit. Je croyais, mais pour moi, l'église, c'était pas. Ça me semblait être une histoire terminée, une histoire finie. L'église, ce qu'on parlait dans les messes. Ça me semblait être une histoire du passé. Ça semblait terminé. Et j'avais l'impression vraiment que c'était fini, quoi. Finalement, j'avais l'impression que Jésus était mort. Et je suis venu à découvrir un autre message dans les églises évangéliques, protestantes évangéliques, et j'ai découvert que ce Dieu-là, il était ressuscité, que Jésus était ressuscité, et qu'en fait, non, il était mort, ressuscité, 3 jours après sa mort, et que donc ce Dieu-là est vivant, Jésus est vivant, et donc voilà, moi j'ai découvert que la bonne nouvelle, que c'est que Dieu nous pardonne nos péchés quand on l'accepte dans notre cœur, qu'on confesse nos péchés, et qu'en fait, on peut passer chaque jour de nos vies à aimer Dieu, à aimer le Créateur librement, sans contrainte, en toute simplicité, en lui parlant comme on parle à un ami, et on ne se sent jamais seul, on ne se sent jamais abandonné, et on sent quand on l'invite dans notre cœur, quand on l'invite dans notre vie, on sent sa présence au-dedans de nous. Et en fait, ça correspond à exactement une parole qui est écrite dans la Bible qui dit qu'il viendra habiter en nous. Et si jamais Karine, par exemple, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu sur cette putain de planète, ben si tu invites Jésus dans ton cœur, je t'assure que tu vas revenir me voir dans quelques heures et tu vas me dire, ah ben oui, tu avais raison, il a changé ma vie. Donc si tu invites Dieu, Jésus-Christ, dans ton cœur, tu verras que ce que je te raconte, c'est pas des salades, c'est la vérité. Et alors, cet enseignement que je voulais vous partager, c'est est-ce qu'un chrétien, un fils de Dieu, une fille de Dieu, ne doit rien juger? Ou est-ce qu'on peut juger de tout? Parce que voilà, comme je vous disais par rapport à ce pasteur qui faisait un signe de la franc-maçonnerie, j'ai fait cela pour dire aux chrétiens, soyez prudents, veillez, faites marcher le discernement pour voir si il n'y aurait pas des francs-maçons dans vos églises. Parce que si vous découvrez qu'il y a des francs-maçons dans vos églises, soit vous vous réunissez entre diacres, entre enfants de Dieu, pour en parler avec lui. Pour lui dire qu'est-ce qui se passe, pasteur? Voilà, quelle est votre loge maçonnique? Pourquoi êtes-vous franc-maçon? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce que vous êtes bien franc-maçon, comme on a pu le comprendre? Et tout simplement pour demander aux francs-maçons de soit ils arrêtent la franc-maçonnerie immédiatement, parce qu'on ne peut pas être de franc-maçon et pasteur en même temps, et
Alors, demandant gentiment, et s'il n'arrête pas d'être franc-maçon, de servir Dieu et le diable en même temps, eh bien, il faut leur demander de quitter l'église et de choisir un autre pasteur. Et s'ils ne veulent pas, s'ils ne l'acceptent pas, ce que j'imagine, eh bien, il faut quitter l'église parce que c'est complètement une absurdité qu'un franc-maçon dirige une assemblée de chrétiens. Ça, c'est une absurdité. Donc, et cela nous amène à quoi? Cela nous amène à juger. Est-ce qu'on peut juger? Et juger, finalement, c'est quoi? Mais juger, c'est faire appel au discernement, et juger, c'est aussi pratiquer la justice, et c'est aussi séparer le mal au sein des assemblées, autant que possible, pour aider à sanctifier l'Église, à se sanctifier les uns les autres, et pour nous aider à préparer une église belle pour Jésus-Christ avant son retour. Alors, donc je vais reprendre quelques passages. Et vous allez comprendre que juger, c'est pas le mot ou la définition qu'on lui donne. Souvent, on a l'impression que juger de quelque chose ou de quelqu'un, c'est le condamner. Mais juger, ce n'est pas condamner. Juger, regardez bien ce qu'il est dit de Moïse. Moïse s'assit pour juger le peuple. Donc ça veut dire quoi? C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, on vient à moi et je juge entre l'un et l'autre, et je leur fais connaître le statut de Dieu et ses lois. Donc, quand Moïse est en train de juger, c'est qu'il fait connaître les choses de Dieu au peuple. Il fait connaître ce qui est bon de ce qui est mal. Il règle les affaires. Celui qui exerce, qui fait le juge, il exerce la discipline de pratiquer la justice au sein de l'Assemblée de Dieu. Et plus loin, il est écrit qu'il établit des chefs qui jugent le peuple en tout temps. Moïse a établi des chefs aussi qui jugent le peuple en tout temps. Donc juger, ce n'était déjà pas condamné. À l'époque de Exode, déjà juger, ce n'était pas condamné. Et toutes les petites affaires, ils les jugeront eux-mêmes. Donc tous les chefs que Moïse avait donnés au peuple, ils étaient là pour juger les affaires. Donc en fait, c'est pour rapporter les affaires de Dieu. Celui qui juge, il rapporte les choses de Dieu au peuple de Dieu. Donc ce n'est pas une condamnation, c'est pour rapporter que Dieu est saint, que Dieu est justice, que Dieu est amour, que Dieu est équité. Et il leur enseigne les statuts, les lois, pour faire connaître la voie dans laquelle ils doivent marcher. Donc, il fait connaître celui qui juge, il fait connaître la voie, le chemin dans laquelle les chrétiens doivent marcher. Et celui qui juge aussi, il enseigne les œuvres qui doivent être faites. Donc, voyez, celui qui juge, tout comme Moïse a jugé à l'époque, il enseigne les voies, comment marcher. Comment se comporter, quelle œuvre pratiquer, et comment, dans les choses pratiques de la vie, comment se comporter aussi. Donc autrefois, c'était un peu Moïse, c'était le grand pasteur, après il y avait tous les petits pasteurs, on va dire, ou les chefs, mais chacun avait ses fonctions-là pour aider le peuple à prendre les choix de la vie du quotidien. Donc,
et à permettre à ce que chacun se sanctifie dans sa vie, chacun sanctifie sa vie. Après, il est dit dans, par exemple, dans le psaume 58, verset 2, est-ce que vous prononcez vraiment la justice? Tels des hommes, jugez-vous avec droiture. Jugez-vous avec droiture. Donc, il y a Dieu d'un côté qui, dans la parole de Dieu, il dit, jugez-vous avec droiture. Et il y a les chrétiens qui disent, en râlant, et pourquoi tu juges? Pourquoi tu juges les autres? Pourquoi tu juges les pasteurs? Alors que nous sommes simplement en train de juger pour enseigner, pour aider les chrétiens à faire les bonnes œuvres et à marcher selon la sainteté que Dieu attend de nous. Donc voyez, Dieu demande vraiment à ce que nous soyons amenés à juger avec droiture. Donc s'il y a des francs-maçons, s'il y a des francs-maçons dans les églises, est-ce qu'on doit se taire? Eh bien, la preuve que non. S'il y a des francs-maçons dans les églises, si nous voyons qu'il y a des choses qui vont mal, on ne doit pas se taire. Et là, le problème qu'on a, c'est qu'on confond l'église avec l'école. L'école, c'est les bons élèves qui s'assoient et qui se taisent et qui écoutent le professeur, la maîtresse. Et on croit que l'église, ça serait une école pour adultes, où le chrétien, il se tait sagement, il dit rien, il accepte tout, le bon, tant mieux, mais aussi le pire et sans rien dire. Alors que Dieu nous demande de juger de tout. C'est pour ça que Dieu a mis des diacres autour de l'église pour que les diacres osent juger de tout en s'approchant du pasteur, en lui disant, mais pasteur, là, nous avons remarqué quelques points qui nous chagrinent. Comment se fait-il qu'il y ait de tels symboles occultes? Comment se fait-il qu'il y ait de la décoration franc-maçonnique? Comment se fait-il que vous ayez des liens avec des francs-maçons? Comment se fait-il que vous soyez inscrit à tel organisme? Donc c'est là où il faut éprouver et mettre à l'épreuve les pasteurs pour s'assurer qu'ils ne sont pas dans le faux, dans le mal, et s'ils sont dans le mal, pour les ôter du milieu de nous. Parce que s'il y a des infiltrés, c'est le moment de les enlever. Parce que comment mener une guerre spirituelle si on laisse à la tête de nos armées des personnes qui servent le diable? Voyez? Donc, voilà. Donc, c'est important donc de faire ce travail. Et souvent, si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous manquons de virilité et parce que nous avons peur. Peur de l'autorité, peur d'être exclu, peur de ne pas être, d'être mal vu, peur d'être jugé, peur d'être critiqué, peur d'être expulsé. Pourtant, la Bible nous dit que nous devons juger avec justice. Jugez-vous avec droiture. Alors, pour ce que je vous ai partagé sur Moïse, vous pouvez le retrouver dans Exode 18, verset 13. Et pour le psaume, c'est le psaume 58, verset 2. Ensuite, il est dit, Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi, qu'il juge ton peuple avec justice et tes affligés avec droiture. Qu'il juge ton peuple. Donc, est-ce que je peux juger d'un pasteur qu'il est sur une mauvaise voie? Est-ce que je peux l'interpeller? Est-ce que je peux interpeller les chrétiens de leur dire, soyez prudents, renseignez-vous, questionnez votre pasteur,
Éprouvez-le pour voir s'il est toujours dans une bonne voie. Eh bien, oui, c'est important. C'est important. Nous ne sommes pas des enfants dans une cour de récréation, ou nous ne sommes pas des étudiants dans une école. Nous sommes dans l'assemblée de Dieu. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que le pasteur des pasteurs, c'est Jésus, et que l'Église appartient à Jésus, et que nous devons craindre Dieu, mais nous ne devons pas craindre les pasteurs. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce courage, de trouver ce courage pour voir si nous avons à la tête des bons chefs. Et voir que tout fonctionne bien, pour voir si nous sommes aussi dans une bonne église et qu'on ne se fasse pas arnaquer, voyez, spirituellement, qu'on ne se fasse pas arnaquer, c'est important. Mais surtout, voilà, je ne veux pas parler simplement de la franc-maçonnerie, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on peut juger de tout ou est-ce qu'on doit juger de rien? C'était ça ma question. Et vous vous rendez compte que petit à petit, on peut juger de beaucoup de choses. Jusqu'à quand serez-vous des juges pervers? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Donc si quelqu'un est franc-maçon, restons sur cet exemple, est-ce qu'on ne doit rien dire? Est-ce qu'on doit faire comme si on n'avait rien vu? S'il y a des signes, je n'accuse pas. Je ne dis pas qu'il est absolument qu'une personne est franc-maçonne, mais si je vois qu'il y a des signes, eh bien, je me dois d'aller voir ce pasteur et de lui dire, mais est-ce que vous êtes franc-maçon? Parce que je vous vois faire des signes bizarres avec la main, des signes comme ça, bien accentués. En plus, on a l'impression sur les photos qu'il le porte. Il le porte là, ici. C'est pas discret. Il le porte. Il le met en avant sur la photo. Donc, on voit bien qu'il y a quand même, il y a quelque chose derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un signe hasardeux. Voyez, on peut très bien croiser les mains. Voyez, moi je peux croiser les mains. Moi, je fais des signes avec les mains. Moi aussi, je me frotte les mains. Je fais des ceci et cela. Mais je vous fais pas. Je suis pas en train de vous faire ça. Vous voyez la différence? Je suis pas en train de faire ça. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, vous voyez, c'est que petit à petit, on se rend compte qu'on doit juger de tout. On peut juger de plus en plus de beaucoup de choses. Donc, là où Dieu dit, jusqu'à quand serez-vous des juges pervers? Autrement dit, ça veut dire, mais jusqu'à quand vous jugerez mal? Jusqu'à quand vous direz, c'est pas grave? Jusqu'à quand vous direz, ben non, ce n'est rien. Mais non, tu te fais des idées. Mais non, faut pas condamner. Mais non, faut pas critiquer. Mais non, il ne faut pas discerner. On est même en train de nous dire, il ne faut pas discerner. On est en train de nous dire, non, il faut pas, faut tout laisser faire, faut tout laisser faire, faut tout laisser dire. Alors que Dieu nous dit, mais jusqu'à quand serez-vous des juges pervers? Aurez-vous à la garde de la personne du méchant? Donc si quelqu'un est méchant et qu'il se trouve que cette personne a tort, et qu'elle se révèle être un faux ou un infiltré, mais jusqu'à quand on va la laisser là? Donc c'est notre devoir de s'unir si on a peur tout seul d'y aller à plusieurs et de. On s'en fiche des dénominations. Si on doit quitter toutes les assemblées de Dieu, eh bien nous-mêmes on s'assemblera dans les maisons et on n'aura pas de. On n'aura pas d'infiltrés, voyez, on fera attention, on sera dans les églises de maison, on s'unira comme autrefois, sous un figuier, sous un chêne, dans les bois, au pied d'une rivière, au bord d'une rivière, mais si on doit quitter les assemblées de Dieu parce qu'on veut faire le ménage, eh bien, il faudra peut-être passer par là, mais avoir le courage de juger, non pas selon la perversité, mais juger comme des bons juges. On doit juger, on doit se servir de notre discernement, on doit se servir de notre intelligence. On doit être des personnes qui savent, comme Abraham, avoir du courage.
d'affronter le mal et pas de laisser le mal gagner l'Église. C'est important de ne pas laisser... Il y a Karine qui dit « Je suis une personne simple et gentille, mais désolé, je crois en rien du tout. » Mais c'est ta liberté, Karine, mais c'est vrai que bon, c'est ta liberté. Mais moi, je te poserai une question. Si tu meurs cette nuit, Karine, est-ce que tu iras au paradis? Je voudrais que tu penses à ça. Si tu meurs ce soir, Karine, est-ce que tu iras au ciel? Est-ce que tu iras au paradis? Moi, je veux vraiment que tu gardes ça sur ton cœur. Si tu meurs ce soir, si tu meurs cette nuit, est-ce que tu iras au paradis? Vraiment, médite ça et je crois que ça, normalement, ça devrait te faire réfléchir. Celui qui déclare juste le méchant et celui qui déclare méchant le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Donc si vous dites qu'un franc-maçon c'est un gentil, mais vous n'avez rien compris, les francs-maçons ils servent le diable, ils servent Satan, Lucifer. Et même si c'est les petits degrés au bas de l'échelle, eh bien ils sont dans une secte. Et on ne peut pas être à la fois dans une secte et à la fois dans l'église de Dieu. Donc ça c'est important. Alors, on va continuer sur jugeons. Est-ce que le chrétien juge de tout ou est-ce que les chrétiens jugent de rien? Vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement. Vous ne ferez pas d'injustice dans le jugement. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu n'honoreras pas la personne du riche. Tu jugeras ton prochain avec justice. Alors, est-ce que c'est Dieu qui a raison ou est-ce que ce sont les hommes? Dieu dit, tu jugeras ton prochain avec justice. Et moi, dans les commentaires, on me dit, on m'accuse de juger. Et même parce que j'ai jugé, je suis perdu à écouter ce qui me dénonce parce que j'ose mettre des choses en avant. Eh bien, on me dit, mais tu ne dois pas faire ça. Mais pourtant, Dieu dit, tu jugeras ton prochain avec justice, on ne doit pas faire. C'est pas parce qu'un homme est beau, parce qu'un homme est riche, qu'il faut se taire. Si on sent que les signes, ou qu'on discerne qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne parle pas des soupçons. Les soupçons, selon la Bible, c'est vrai que Dieu nous dit, pas de soupçons. Mais s'il y a des signes clairs, visibles, qui penchent pour dire que oui, effectivement, ce monsieur-là, ça va pas, ce n'est pas uniquement des soupçons, voyez, il y a des signes. Donc là, voilà. Les soupçons, c'est quand on dit « je crois que », « j'imagine que », « je pense que ». Là, ce sont des soupçons vagues. Et ça, faut pas. Mais voyez, dès que moi j'ai vu cet homme faire ce signe comme ça, j'ai dit « là, c'est pas du soupçon ». Là, j'ai dit « ce monsieur, il est certainement dans la franc-maçonnerie, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas s'il est conscient qu'on ne peut pas mélanger la franc-maçonnerie et l'église, mais pour moi, en voyant ces photos, c'est une évidence qu'il est franc-maçon. Maintenant, il faut voir avec lui. Il faut voir avec lui pourquoi est-ce qu'il y est, quelles sont ses motivations, quels sont ses objectifs. Et moi, je pense que il faut lui demander de faire un choix. Ou alors, il abandonne l'assemblée, il abandonne d'enseigner. Parce qu'il y a des pasteurs aux États-Unis, il y a beaucoup de pasteurs aux États-Unis qui étaient francs-maçons du 31e degré, comme Billy Graham, Oral Roberts. Il y a un autre qui est 30e degré aussi, je ne me rappelle jamais de son nom là, mais il y en a plusieurs. Alors après il est dit, tu t'établiras des juges et des magistrats
selon tes tribus, dans toutes les portes que l'Éternel ton Dieu te donnera, pour qu'il juge le peuple avec jugement juste. Vous voyez? Pour qu'il juge le peuple avec jugement juste. Tu ne feras pas exception de personne, tu ne recevras pas de présent, car le présent aveugle les yeux du sage et pervertit les paroles des justes. Deutéronome 16, versets 18 à 19. Et le précédent verset que j'ai lu, c'était dans Lévitique, chapitre 19, verset 15. Donc, vous voyez, on voit bien que les chrétiens sont appelés à juger. Mais vous avez remarqué que juger, ça n'a rien à voir avec condamner. Quand on juge de quelque chose, on n'envoie pas les gens en enfer. On n'envoie pas les gens à la damnation. On n'envoie pas les gens à la perdition. Quand on juge, on est en train de discerner et de montrer qu'une chose ne va pas et qu'elle doit être corrigée, ou on est en train d'enseigner quelque chose qui ne va pas et qui nécessite d'être entendu pour qu'un chrétien marche selon les voies de Dieu, pour qu'un chrétien pratique des bonnes œuvres que jusqu'à là il n'a pas pratiquées, pour que, vous voyez, c'est vraiment pour son bien, c'est pour le bien, c'est pour la communauté, l'Église, ce n'est pas pour un mal, vous voyez, c'est toujours pour un bien. Alors je vais vous lire, vous allez voir, là cette fois-ci c'est dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Ici, c'était l'impudicité. Donc, moi, j'ai déjà jugé. Vous voyez, Paul avait jugé. Paul avait jugé. Est-ce que Paul était pécheur pour autant? Pas du tout. Est-ce que Paul avait mal fait? Pas du tout. C'est totalement biblique. Paul a jugé. Mais attention, aujourd'hui, les gens, par abus de langage, confondent juger avec condamner. Juger, ce n'est pas condamner. C'est juste montrer qu'une chose est bonne ou qu'une chose est mauvaise, ou qu'une chose est souillée et qu'elle n'est pas pure. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 12, il dit: N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Oui, la question amène la réponse positive. Oui, c'est à nous de juger ceux qui sont du dedans. On doit juger de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon, selon la parole de Dieu. On analyse, on étudie, on discerne et on voit quand quelque chose ne va pas et on le juge. On le juge. On juge qu'une chose n'est pas bonne. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Écoutez bien. Et souvenez-vous de l'enseignement. Est-ce qu'un chrétien juge de tout? Ou est-ce qu'il juge de rien? Vous voyez que plus on avance dans l'enseignement, plus on se rend compte qu'on juge de tout. Alors que dans les commentaires, on dit qu'il ne faut pas juger. Donc qui c'est qui a raison? Qui c'est qui a tort? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est les chrétiens dans les commentaires qui viennent défendre les francs-maçons? Est-ce que c'est les chrétiens qui viennent dire non, Noël, c'est pas biblique? Noël, c'est même pas catholique. Noël, c'est de l'Empire romain. Et que fêter les fêtes païennes, ce n'est pas chrétien. Et là, on nous dit, non, il faut pas juger, faut pas. Et pourtant, nous, on est en train de juger selon la parole de Dieu pour amener l'Église à la sanctification, à la sainteté, sainteté intérieure, sainteté extérieure. Et si nous faisons cela, c'est dans le pour pousser, je dirais, c'est poussé par l'amour de Dieu que nous le faisons.
Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Waouh! Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger des moindres choses? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, et à plus forte raison, les choses de cette vie? Donc, nous devons juger les choses de cette vie. Nous devons éprouver, nous devons discerner, nous devons étudier, et nous devons faire marcher notre raison, notre intelligence, notre sagesse et notre prudence. Nous devons éloigner cette fichue naïveté. La fichue naïveté, ça, il faut l'éloigner, cette naïveté, cette manque de connaissances. Il faut vraiment arrêter avec ça. Il faut vraiment, maintenant, on ne peut pas être fort en étant naïf, en étant, en croyant n'importe quoi, en croyant n'importe qui, en mettant sa confiance en n'importe qui. On ne peut pas être fort en mettant sa confiance dans n'importe qui, n'importe quoi. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment exercer son discernement. Il faut vraiment juger de tout. Il faut vraiment juger de tout. C'est très important. En 2021, c'est les années qui vont venir, c'est important de juger de tout. Vous allez, voyez, on va juger les hommes, on va juger les anges. Donc, mais déjà, nous devons juger des choses à l'intérieur de l'Église. Vous voyez, ça c'est hyper important. Oui, il y a Marc qui dit, je ne savais pas que les évangélistes étaient filtrés par les francs-maçons. Oui, ben tu sais, il y avait beaucoup de, apparemment, il y avait beaucoup de protestants francs-maçons. Même à l'origine de la création du protestantisme, à l'origine, visiblement, il y avait beaucoup des conducteurs, des têtes religieuses de l'époque qui étaient des francs-maçons, malheureusement, beaucoup. Mais d'ailleurs, on le voit beaucoup aussi chez les catholiques, hein. Ils ont corrompu si bien que Vatican II, aujourd'hui, à la tête de Vatican II, ce sont des jésuites avec un pape noir. Et des francs-maçons infiltrés et des Illuminati. Alors là, voilà, là c'est la totale. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 5, je le dis à votre honte, n'y a-t-il donc point de sage parmi vous, pas même un seul, qui puisse juger entre ses frères? Donc voyez, nous devons pratiquer la justice. Voyez? C'est évident. Voyez, on doit vraiment juger entre les frères. Et surtout, si on voit qu'il y a un pasteur qui tourne mal, s'il y a un chanteur, un choriste, il faut aller reprendre. C'est important d'aller reprendre. Et juger, c'est comment? C'est en reprenant son frère ou sa sœur. Ça peut être des choristes, ça peut être des chantres. Ah oui, il y a Johan qui dit parmi les Anderson, c'est un pasteur qui a écrit la constitution de la franc-maçonnerie. Voilà. Merci Johan pour l'information. Donc voilà, il y a des francs-maçons qui ont participé activement aussi au travers du protestantisme pour infiltrer. Et je pense que beaucoup des confédérations, des grandes associations dites protestantes ont à leur tête des francs-maçons, ça c'est évident. Ouvre ta bouche, juge avec justice et fais droit à l'affligé et aux pauvres. Donc vous voyez, on juge, donc nous devons juger de tout avec justice parce que si l'on ne juge pas, eh bien, on n'exerce pas la justice. Donc, ce qui précède la justice, c'est de juger. Donc, si on ne juge pas, on ne pratique pas la justice et on fait régner le péché, le mal, et on tolère tout. C'est la tolérance. Vous voyez, c'est la tolérance. C'est comme dans le monde, on tolère tout. Et une église qui ne pratique pas, qui ne juge pas et qui ne pratique pas la justice devient mondaine. Elle devient mondaine. Alors, si je meurs, moi je compte aller au paradis.
au paradis de Dieu, au ciel, pour l'éternité, là où il y aura la joie, là où on ne connaîtra plus jamais la mort, là où on ne connaîtra plus jamais les pleurs, là où on ne souffrira plus, et on sera dans la présence de Dieu, dans la présence, dans le ciel, et on vivra toute notre éternité à aimer Dieu. On sera vraiment. Et ce qui est important, c'est qu'on ne mourra plus jamais, 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 jamais. Et l'avantage d'aller au paradis, c'est qu'on ne va pas à l'enfer. Parce qu'il n'y a que deux solutions dans l'éternité, il n'y a que deux destinations dans l'éternité. C'est un peu comme s'il y avait un aéroport et tu prends les billets, hein, tu peux prendre ton billet pour. tu peux prendre ton billet pour telle destination ou telle autre destination, mais là il n'y a que deux destinations. Et pour l'éternité, c'est soit tu décides de ton vivant que tu veux aller au paradis, soit si tu es loin de Dieu et que tu demeures loin de Dieu et que tu refuses l'amour de Dieu et que tu te tiens à l'écart de Dieu en disant mais moi je ne crois pas en lui, tout ça, eh bien c'est l'enfer. L'enfer, c'est pas. Il a été créé pour le diable et les démons. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Mais il se trouve que si les hommes s'entêtent à rejeter Dieu, malgré tous les appels, comment Dieu fait pour appeler les hommes à son amour? Eh bien, il permet que chacun puisse entendre la bonne nouvelle. Il permet que chacun puisse entendre que Dieu les aime. Un jour, quelqu'un leur dit Dieu t'aime. Un autre lui dit ben. Crois en Jésus, tu seras sauvé. Un autre lui dit, mais est-ce que tu iras au paradis si tu meurs? Donc tout ça, ce sont des appels de Dieu pour que chacun puisse entendre un jour ou l'autre, plusieurs fois dans sa vie, que Dieu l'aime. Et si à un moment donné, la personne accepte l'amour de Dieu et le reçoit avec joie dans son cœur, eh bien cette personne-là va, Dieu lui ouvre le chemin de l'éternité. Et il est dit que c'est Jésus qui est la porte qui mène au ciel. Il est lui la vie éternelle. Alors, comment je peux affirmer ça? C'est parce que c'est écrit dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le livre que Dieu a laissé aux hommes. Il a permis que. Il se trouve que c'est le livre le plus lu sur la terre. C'est un best-seller. La Bible, c'est le best-seller. Et tous les faits sont authentifiés de façon historique, de façon archéologique, de façon scientifique. Et la vie de Jésus est relatée par des historiens très connus. Et Jésus a été confirmé par l'histoire avec le roi Hérode, Ponce Pilate, d'autres généraux de l'Empire romain et tout ça. Donc, tout a été certifié, approuvé. Tu peux même lire le livre Jésus l'enquête. Tu peux le commander sur Internet, Jésus l'enquête. Et tout ça a été certifié. Il n'y a pas de livre plus authentique que la Bible. Et le Nouveau Testament, il est dit que c'est le livre le plus certifié, le livre d'antiquité le plus certifié au monde. Il y a plus de 4000 certifications que la Bible est authentique. Que le Nouveau Testament est authentique, plus spécifiquement. Donc, alors moi je l'ai vu à Jésus, quand il a habité en moi, j'ai été complètement changé. Alors je l'ai vu, j'ai pas vu sa présence physique en face de moi, il y en a d'autres qui l'ont vu hein, physiquement, moi je l'ai pas vu, mais moi je l'ai senti en moi. Et comme je dis quand j'évangélise les musulmans, j'ai senti la paix, la joie que j'avais jamais eue avant. Et c'est vrai que j'ai senti une joie et une paix quand Jésus est venu en moi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et j'étais tellement heureux d'avoir reçu sa présence en moi que alors je parlais à tout le monde de ce Jésus autour de moi. Et voilà. Et j'ai fatigué ma famille avec ça, j'ai fatigué mes parents, j'ai fatigué mes tantes, j'ai offert des bibles à tout le monde, aux voisins. Voilà. Et là, et ce qui prouve que Dieu existe, c'est quand il transforme ta vie, tu dis, ah oui, là, effectivement, c'est vrai, il avait raison. Donc,
En fait, si tu regardes un petit peu sur Internet, tu vas voir des milliers, des millions de témoignages de vies transformées, mais aussi de guérisons. Moi, par exemple, j'avais de nombreuses allergies, j'étais très fragile au niveau de la santé, j'étais allergique à la climatisation, j'étais toujours malade quand j'étais petit, tout ça. Et bien, quand j'ai reçu Jésus et que j'ai découvert qu'il guérissait toutes les maladies, alors j'ai prié. J'ai dit, ben, puisque tu dis que tu guéris des maladies, ben écoute, je te demande de me guérir. Eh bien, figure-toi qu'il a guéri toutes mes maladies, tous mes maux de tête. J'avais des maux de tête. Il m'enlève tous les maux de tête. Tous les maux de dents. Avant, j'allais au dentiste. Je ne vais plus au dentiste depuis 10 ans. C'est-à-dire depuis que je suis converti, je ne connais même pas le nom des médecins. Je ne connais même pas le nom des dentistes. Je n'ai même pas les rhumes. C'est simple. Et même quand j'ai des kystes, autrefois j'avais des kystes qui me poussaient dans le cou, des kystes fibreux, et j'étais obligé d'aller faire des opérations chirurgicales dans les cliniques. Mais aujourd'hui, je pose ma main, je prie, je lui demande de m'enlever, il m'enlève les kystes. Au bout de quelques jours, la boule disparaît et il n'y a plus rien. Donc ça, j'ai fait une anesthésie générale. Pour moi, la mort, t'as rien après. Tu fermes les yeux et tu pars. Pour moi, la mort, c'est pareil. Mais je comprends ta position, Karine. Je sais, hein, c'est vrai que l'incrédulité, tu sais, je connais ça, hein. Moi, je suis resté pas mal de temps, hein, tu sais, dans l'incrédulité. Mais si tu es ouverte, si tu entends ce qu'on te dit, tu médites tout ça, réfléchis bien à tout ça. Parce que c'est important aussi de grandir dans la vie, de rester ouvert comme des petits enfants dans son cœur et d'entendre vraiment toutes ces choses-là. Ce ne sont pas des histoires, hein, c'est vraiment des choses que les gens vivent. On est dans le réel, hein, on n'est pas dans du cinéma, là. Donc c'est vraiment, si on parle de ces choses-là, c'est pas pour parce qu'on n'a rien d'autre à faire, hein. Moi, je suis aussi chef d'entreprise, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à m'occuper. Mais si je partage ces choses-là, c'est parce que c'est la vérité. D'ailleurs, Jésus, de tous, c'est le seul qui a dit, en tant que fils de Dieu, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui pardonne les hommes de leurs péchés. Donc, si tu crois que Jésus est le sauveur du monde et qu'il est ton sauveur, eh bien, c'est lui qui pardonne tes péchés. Parce que Dieu seul peut pardonner les péchés. Or, Jésus-Christ est Dieu, fait homme, et il est venu pour nous délivrer du péché, de la mort éternelle. Parce que là où il y a le péché, il y a la mort éternelle, et ça veut dire que nous sommes tous destinés à la perdition. Mais grâce à Jésus, nous pouvons accepter son sang qui nous délivre du péché. C'est son sang qui nous délivre de la mort éternelle. C'est son sang qui nous purifie du péché. Et c'est alors qu'on reçoit le pardon. Il nous lave et on reçoit une nouvelle vie, une nouvelle identité et on devient enfant de Dieu. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Après la mort, bon, la mort, c'est une chose, hein. C'est sûr que la mort, le corps, on a tous nos corps qui meurent, ça peut aller très très vite, hein, c'est sûr. Si c'est ton heure, c'est ton heure, ça c'est. Je t'assure, je suis ouverte, mais désolé, j'arrive à croire en rien. Bon. Écoute, ça va, j'ai confiance, ça va venir, Karine. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, je te prie de toucher Karine. Tu vois la Karine qui est là. Je prie de la toucher, Père, de toucher son cœur, de lui manifester ton amour, de la visiter, Père, qu'elle sache que tu es là. Montre-lui que tu es là, Père. Touche son cœur. Montre-lui que tu es là, Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu merveilleux, Dieu d'amour. Touche le cœur à Karine, qu'elle sache que c'est toi, le Dieu vivant, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je te prie, dans le nom de Jésus, qu'elle connaisse son Sauveur et qu'elle se réconcilie avec toi. Et j'arrache tout esprit d'incrédulité, je délie
tout esprit d'incrédulité et je lis cet esprit à la croix. Je lis cet esprit d'incrédulité à la croix de Jésus-Christ. Amen. Bon, allez, moi j'ai fait mon petit travail. Ça ne me fera jamais. Si, si. Attention, Karine, si tu dis quelque chose, si tu as des paroles négatives, tu vas semer du négatif dans ta vie. Tu sais, il est dit dans la Bible que selon ce que tu vas dire, ce que tu dis, tu produis la vie ou la mort. Si tu dis je crois pas, je crois pas, je crois pas, ben tu vas jamais croire. Mais si tu dis oui, je veux bien croire, je veux bien essayer, je crois, mais attention parce que ta vie va être le fruit de tes lèvres. Donc, alors, dans 1 Corinthiens 11, chapitre 11, versets 31 à 32, il est écrit, car si nous nous jugions, ça veut dire s'éprouver, donc et juger, comprenez bien que juger, ça veut dire s'éprouver. Donc, est-ce qu'on juge de tout ou de rien, nous les chrétiens? Est-ce qu'on juge de tout? Est-ce qu'on éprouve de tout? Donc juger, ça veut dire aussi éprouver. Est-ce qu'on éprouve de tout ou est-ce qu'on éprouve de rien? Est-ce qu'on ne doit pas dire, quand un pasteur est franc-maçon, est-ce qu'on ne doit pas dire, attention, ce pasteur est franc-maçon, regardez tous les signes, il est en train de s'exposer, regardez, à moins d'être aveugle, voilà. Donc, est-ce qu'on doit le dire? Est-ce qu'on doit éprouver? Ou est-ce qu'on doit se taire comme des bébés? Non, c'est important d'éprouver. Vous voyez? Allez, mais si tu vas voir, ça va. Karine Edim, mais si, moi j'ai foi. D'ailleurs, si je suis là, c'est pour vous, hein. C'est aussi pour ceux qui n'ont pas la foi, parce que ma mission, c'est de convaincre des non-convaincus. Ma mission, c'est de convaincre des non-convaincus aussi, c'est de faire du bien à ceux qui ont déjà la foi, mais aussi de convaincre des convaincus. Donc, à plus tard, Marc, et merci Marc Aurèle d'avoir été là. Merci à toi, que Dieu te bénisse. Et donc, oh oui, Macron, il est franc-maçon, ça c'est sûr. Il est même Illuminati. Il sort des familles Rothschild. Macron, il est Illuminati, ça. Il est même grand niveau franc-maçonnerie et tout, hein. Lui, je pense que c'est avec sa transcendance et la bête est là, la bête est là. La bête de l'événement est là. Macron, il est possible même qu'il ait reçu l'esprit du diable. Hein. C'est fort probable qu'il ait fait un peu comme Judas, qu'il ait accepté que le diable vienne habiter en lui. C'est fort probable. Ah, pas Macron, tu disais franc-maçon. Ah, d'accord, tu disais pas Macron, franc-maçon. Moi, je comprends rien. Alors, c'est moi qui. Pourtant, j'ai dormi cette nuit, hein, mais. Alors, car si nous jugeons, si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc, vous voyez, on doit juger de tout et même nous-mêmes, on doit se juger. On doit se juger même nous-mêmes pour voir si on n'est pas dans la mauvaise voie. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, même Dieu nous juge. Quand nous sommes quand nous nous jugeons, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, Dieu. Quand il nous juge, si on est dans l'erreur, il nous châtie, il nous corrige. Mais s'il nous corrige, c'est comme un bon père de famille pour pas qu'on ne soit condamné avec le monde. Donc ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 31 à 32. Ensuite, dans Matthieu 7, verset 1, il est dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du même jugement dont vous jugerez. Alors ce jugement-là, c'est là il est dit ne jugez point, c'est-à-dire ne condamnez point. Donc c'est-à-dire condamner, c'est
de dire de quelqu'un que c'est pas un chrétien, par exemple. Enfin, bon, mais encore ça, non. Condamner, c'est vraiment de dire de quelqu'un qui a plus d'espoir pour lui, ou que ou dire des insultes, voyez, dire des insultes, dire des méchancetés sur quelqu'un, ou dire qu'il est perdu, qu'il est voilà. En fait, c'est dire de quelqu'un aussi que son sort est terminé. C'est-à-dire, c'est de dire que ben, pour lui, il n'y a plus de salut. Ça, c'est condamner quelqu'un, de dire ben, pour lui, il n'y a plus de salut. Il a péché, il a été trop loin, il a trop péché, c'est fini pour lui. Ça, c'est condamner, vous voyez? C'est-à-dire, on est en train de dire que quelqu'un, il a été trop loin, il est fini. Et ça, c'est très dangereux. Donc Dieu dit ne pas condamner, ne pas dire de quelqu'un qu'il en est fini pour lui, il ne peut plus se repentir, Dieu ne va pas lui pardonner, la porte de la grâce elle est fermée pour lui. Ça c'est dangereux, vous voyez? Parce que Dieu est bon, Dieu est amour et Dieu pardonne. Donc vraiment, ça c'est vraiment important. C'est pour ça ne jamais dire, ne jamais se prendre pour Dieu et ne jamais dire oui, lui il est fini, c'est trop tard, c'est comme ça, c'est fini pour non, ça, parce qu'il est dit, Dieu dit que si on juge de telle façon, c'est-à-dire si on condamne, eh bien, Dieu va nous condamner nous-mêmes aussi. Il va être très dur, très sévère avec nous. C'est pour ça, soyez miséricordieux et Dieu sera miséricordieux avec vous. Si vous êtes dur, sévère avec les autres, Dieu sera sévère avec vous. Si vous êtes bon, si vous êtes doux, si vous êtes tendre, si vous êtes miséricordieux, Dieu sera miséricordieux avec vous. Si vous êtes dur, sévère, Dieu fera pareil pour vous. Donc ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Parce que Dieu dira dans Matthieu 12, verset 7, que si vous saviez ce que signifie je veux la miséricorde et non pas le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Vous voyez? Donc Dieu veut la miséricorde. C'est qu'on pardonne toujours, toujours, toujours. Et qu'on croit, qu'on ait la foi que Dieu peut encore pardonner cet homme. Qu'en dépit de ses péchés, Dieu peut pardonner un franc-maçon. Si le franc-maçon se repent, Dieu peut lui pardonner. Mais c'est important que le franc-maçon abandonne la franc-maçonnerie, par exemple. Vous voyez? Alors, je voudrais. Donc, juger, ça veut dire aussi reprendre, ça veut dire s'éprouver, se sonder, discerner, mais juger, ça veut dire aussi reprendre son frère, reprendre sa sœur, avec amour, avec miséricorde. Alors, attendez, je me reprends mes versets. Je reprends le verset. Voilà. Dans Proverbe 24, versets 24 à 25, il est dit, celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudiront. Voyez? Celui qui dit aux méchants, tu es juste, c'est pas bien. C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un dit que Macron, il est gentil, celui-là, il a un problème au ciboulot, il a un problème au cerveau. Si quelqu'un aujourd'hui dit que Macron, il fait de son mieux, celui-là, ce qu'il dit, c'est mal. Parce que Macron, c'est un homme dangereux. Donc on ne doit pas dire quand quelqu'un est dangereux ou qu'il est méchant, il faut dire qu'il est méchant. Il ne faut pas dire qu'il fait de son mieux. Un Macron, c'est un dictateur. On l'a vu avec les gilets jaunes. Il a demandé au CRS de tirer dans les yeux, d'éborgner les gens, casser des doigts, des mains. Enfin, Macron, c'est un dictateur. Si quelqu'un dit d'un dictateur qu'il est gentil, cette personne est complètement folle. Elle est folle. Elle est folle. C'est de la folie. Et c'est une naïveté meurtrière. C'est une naïveté que fait que, dans la naïveté, on peut se placer dans le camp de l'adversaire. Voyez, on peut s'opposer à la justice dans la naïveté, dans une mauvaise innocence, dans un manque de connaissance. On peut s'opposer au bien, on peut travailler pour l'injustice.
C'est pour ça que c'est important d'avoir du discernement et d'avoir de la connaissance et d'exercer le jugement. On doit juger de tout. Et juger de tout dans l'Église, c'est vital, surtout aujourd'hui, dans les temps que nous vivons. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, le peuple le maudiront et les nations le détesteront. Donc moi, quand un gars est mauvais, je dis, il est mauvais. Quand je vois qu'un pasteur fait des signes francs-maçons, je dis au pasteur, il fait des signes francs-maçons. Je ne suis pas en train de dire qu'il est en train de faire un losange ou qu'il est en train de faire de la géométrie à ses heures perdues. Vous voyez, il n'est pas en train de faire de la géométrie pour mesurer l'appareil photo qui est en face. Vous voyez, il n'est pas en train de faire de la géométrie, de faire des mathématiques. Et je dis, non, il fait des signes francs-maçons. Vous voyez, c'est important de le dire. Donc ça, c'est important. Mais ceux qui le reprennent s'en trouveront bien. Donc c'est important de reprendre. Mais ceux qui le reprennent s'en trouveront bien. Donc si un frère reprend quelqu'un qui fait mal, c'est bien. Si quelqu'un va voir un franc-maçon, c'est bien de lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Si quelqu'un pêche, c'est bien d'aller le voir pour l'aider. Donc, mais ceux qui le reprennent s'en trouveront bien, et sur eux viendront la bénédiction et le bonheur. Donc, qui juge, celui qui reprend, celui qui corrige, trouvera la bénédiction et le bonheur. Alors, la question amène la réponse. Est-ce que le chrétien juge de tout ou il juge de rien? Ben, je dirais, il juge de tout. Parce qu'en plus, en jugeant de tout, sur lui vient la bénédiction et le bonheur. Donc ça, c'est important. Il est dit dans Proverbe 28, verset 23, celui qui reprend quelqu'un finira par être préféré à celui qui flatte de sa langue. Donc toi, si tu es juste devant Dieu, que tu juges comme il faut, que tu reprends avec amour, avec douceur, un frère, une sœur, eh bien tu finiras au final par être préféré aux autres qui ne disent rien. Donc ça, c'est un grand enseignement. Et d'ailleurs, il est même dit dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 5, n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi. Reprenez-les. Donc ça, c'est juger aussi. Vous voyez, c'est reprenez-les. Mais toutes choses étant reprises par la lumière sont manifestées. Car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. Donc on reprend. Vous voyez, reprendre, c'est très important. Donc voilà. Et en fait, celui qui juge, il est en train de travailler pour la vérité. Il travaille pour la bonne nouvelle et il se fait un bon ministre de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager à cet instant aujourd'hui. Donc voilà, la conclusion c'est oui, nous devons juger de tout. C'est sûr que nous n'avons pas à condamner quelqu'un à la mort éternelle, nous n'avons pas à condamner quelqu'un de faute impardonnable, parce que on ne le sait pas, c'est pas vrai. C'est seul Dieu qui en jugera. On ne peut pas dire qu'une faute est impardonnable, on n'en sait rien. On ne doit pas couper la porte aux uns et aux autres, on ne doit pas fermer la porte aux uns et aux autres. Il faut laisser le privilège à chacun de pouvoir recevoir le pardon de ses péchés toujours, parce qu'il y a toujours une espérance en Dieu d'avoir le pardon de ses péchés, quelle que soit son incrédulité. Donc vraiment, Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, mais il juge, il demande qu'on juge de tout pour pratiquer la vérité et la justice dans l'assemblée des saints, dans l'Église de Jésus-Christ, et que nous sortions, pour que nous sortions les choses impures,
pour que nous puissions sanctifier l'Église, que nous sortions les choses impures et les choses souillées de l'Église, et puis que nous puissions préparer pour Jésus une belle Église où nous serions entre nous unis, et surtout ne pas à la voir à notre tête, aux commandes, aux manettes, ne pas avoir aux manettes des infiltrés, ne pas avoir aux manettes des francs-maçons, ne pas avoir aux manettes des faux pasteurs. Parce que des fois, ça va, c'est pas forcément des fois des francs-maçons, mais ça peut être des faux pasteurs, des gens qui prêchent le mensonge et qui prêchent un autre évangile. Voilà, qui prêchent un autre évangile, un autre Jésus, comme on dit, des choses comme ça. Mais voilà, donc Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas un sujet qui est simple, mais c'est un sujet qui est très important. Grâce au verset que j'ai eu là, je pense que vous avez compris l'idée. Je pense que vous avez compris que juger, ce n'est pas condamner, que juger, c'est éprouver, c'est proclamer la vérité, c'est éclairer les zones d'ombre. C'est aider à marcher sur un chemin, c'est aider à pratiquer des bonnes œuvres, à se détourner des mauvaises œuvres, c'est aider le peuple de Dieu aussi à y voir clair. Par exemple, si je vous explique ce que c'est que, en gros, vite fait, la franc-maçonnerie, c'est les sociétés secrètes, vous allez vous dire, ah oui, donc il faut que se fasse attention aux francs-maçons et tout ça. Bon, vous voyez, donc on est là pour éclairer le peuple. Et afin que le peuple lui-même, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, puissent aussi être sur leur garde, ne pas donner leur confiance à n'importe qui, à n'importe quoi, ne pas appeler un méchant un gentil, et que chacun puisse exercer son discernement. Voilà. Donc, écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à Karine qui m'a écouté, une des survivantes à m'avoir écouté. Vous êtes trois à être au bout de la vidéo, donc merci à vous, merci à Johan, à ma sœur Estelle, Esther aussi. Mais voilà, ben, j'espère Karine, en tout cas j'ai prié pour toi Karine, merci d'avoir été là. Comme on dit chez nous, que Dieu te bénisse. Moi c'est ce que je disais à mes collègues de travail aussi, même s'ils ne croyaient pas. Eh bien, je les bénissais parce que je vous aime très fort tous. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, salut!